Salut public, c'est Franck Dubosc. Dis-moi, tu n'es jamais monté à bord d'un sous-marin? Oh, quel manque de curiosité de ta part! Eh bien, tu as de la chance, parce qu'aujourd'hui, je vais te faire visiter l'inflexible. Pour toi, public. À partir de maintenant, tu m'appelles le commandant Dubosc. Allez, suis-moi! Ah, bah t'es déjà là. Viens, suis-moi. Mais attention, ça glisse! Merde. Cafétéria. Bonjour tout le monde. C'est la cafétéria équipage, tu vois, où tu peux soit travailler, soit te reposer, tu vois, tranquillement, ou le contraire. Ici, tu peux mettre 120 bonhommes, à peu près, tu vois. Et alors là, l'aquarium. Alors tu vois, on a eu un petit bleu, puis un gros blanc. Qui sont... Non, attention, on ne se moque pas. Le cuistot et le boulanger, les deux mamelles d'un sous-marin. Vous excitez pas, les gars, j'ai dit deux mamelles, c'est une façon de parler. Ici, on fait 270 repas par jour, 40 baguettes et 18 pains. C'est mes gars qui le font. Hein, les gars? Ouais, quoi? Voilà. C'est tout. Les garçons, c'est là qu'on va. On va rester en dessous. Ça veut dire que la nuit vient de tomber dehors. Le rouge te l'indique. Wouh! Je t'ai fait peur! Mais c'est pas parce qu'il fait nuit qu'il faut avoir peur. Alors là, tu vois, je vais te faire rentrer dans l'intimité du sous-marinier. La chambre. Eh, ça va? Pour 6, ça te rappelle rien? Contrôle des billets! Non, je plaisante. Endors-toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est la chambre du commandant. 4 mètres carrés, le grand luxe. Un cheeseburger qui marche! Un cheeseburger et un milkshake! Ah, c'est le téléphone. Alors, tu vois, quand il y a un petit peu trop d'hommes, c'est ici qu'on les fait dormir, au milieu des missiles. Je te raconte pas, quand il y en a un qui pète, tout le monde sursaute. Alors là, tu vois, c'est la douche. Mais attention, 8 litres d'eau par jour et par personne. Pour ça, il y a une technique. Tu rentres sous ta douche, tu te dévêtis, tu appuies, tu te mouilles un petit peu, tu arrêtes. Là, tu mets le savon là où il faut. Et puis, tu appuies après pour te rincer. Ou alors, il y a une autre technique, qui est la mienne. Tu te laves pas. Bon, ça sert à rien, il n'y a pas de fille. Il n'y a pas de jacuzzi, hein, ici. Alors ici, c'est le carré des sous-officiers, hein, c'est le petit moment détente, le petit moment calme, hein, après le travail. Y'a un malou ? Ouais, pardon. Et donc on peut lire, bouquiner ou regarder des DVD, tout simplement. Oh, en mer, il faut savoir détendre, hein. Je n'ai pas les gars.